Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à multiplier mentalement deux nombres entiers compris entre 10 et 19. Pour expliquer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant et multiplier 14 par 18. Tout d'abord, nous devons additionner le premier nombre, c'est-à-dire 14, et les unités du deuxième nombre, c'est-à-dire 8. 14 plus 8 nous donne 22. Nous allons ensuite multiplier par 10 ce chiffre. Nous ajoutons donc un 0, cela nous donne 220. Enfin, nous allons ajouter au nombre obtenu le produit des unités des deux nombres, c'est-à-dire 4 fois 8. 220 plus 4 fois 8 égale 220 plus 32. Le résultat est donc 252. Réappliquons cette méthode sur un deuxième exemple et multiplions 19 par 17. Nous additionnons le premier nombre 19 et les unités du deuxième nombre, c'est-à-dire 7. 19 plus 7 égale 26. Nous multiplions ce résultat par 10, nous obtenons alors 260, puis nous ajoutons à ce nombre le produit des unités des deux nombres, c'est-à-dire 9 fois 7. 260 plus 63 nous donne 323. Vous pouvez vous entraîner et réappliquer cette méthode à partir des calculs suivants. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause après chaque calcul afin de faire vous-même le calcul mentalement avant d'obtenir la solution. 18 fois 19 égale 342. 14 fois 11 égale 154. 11 fois 19 égale 209. 12 fois 16 égale 192. 14 fois 13 égale 182. 12 fois 19 égale 228. 18 fois 15 égale 270. 17 fois 16 égale 272. 12 fois 17 égale 204.